On avait une expression qui dit, il s'y prend comme pour tuer sa grand-mère, et là, particulièrement, ça illustre très bien, et tu vas comprendre pourquoi les mecs finissent pétés en 10 à 30 ou 40 ans. Donc on va voir, là il est au rowing, donc il y a 100 kilos de chaque côté, donc il y a 200 kilos à soulever pour la première répétition, et il veut mettre les bandes, et on va voir comment il s'en sort. Donc il met la première bande. Il tire, ce qui est pas malin. Après, tu regardes où il met le pied. Il va mettre la deuxième. Alors évidemment, là, c'est un peu casse-gueule, t'es en position de faiblesse, etc. Bon, faut pas faire comme ça. Alors je te le donne 1000. Tu montes, tu t'es pas accroché. Tu montes debout sur le rebord, là. T'accroches 1, t'accroches 2. Et puis, t'as 200 kilos à tirer. Donc, rien que ton poids de corps, ça fait 100. Donc, à 2, il y a 50 kilos à se taper. Donc, le mec devant, il pousse comme un malade. Toi, tu tires un tout petit peu. Si le gars, il est un peu musclé, il pousse plus que 50 kilos. Donc, t'as même pas à tirer. Et tu te mets en position sans avoir à faire des acrobaties qui m'ont l'air un peu périlleuses.